Voilà, c'était le dernier filtre qu'il fallait remplacer. Merci, les amis. Avec plaisir, Graham. Et heureux que ce soit fini. Cody, comment ça s'est passé au foot? On ne m'a pas pris dans l'équipe. J'ai pas compris. Qu'est-ce que t'as dit? On ne m'a pas pris dans l'équipe. Oh, mince, c'est vraiment dommage. Non, c'est pas seulement dommage. Il a carrément déshonoré la famille. Regarde tous ces trophées. Moi, papa, même Graham. Et on a dû rajouter une étagère pour Danny. Tous les Burns sont des stars du football. Le football, c'est le sport où on court derrière une petite balle sur une pelouse rectangulaire. Oui, je crois bien que c'est ça. Cody, ne fais pas cette tête-là. Tu es doué pour un tas d'autres choses. Mais rien qui compte vraiment. Il a parfaitement raison. Aïe! Quoi? J'ai dit qu'il avait raison. Toute l'équipe au parc d'attractions de Griffin Rock, vite! Pourquoi, papa? Tu veux te détendre? Non. J'ai plutôt envie de chasser le taureau mécanique. Je crois qu'il nous a repérés, chef. Pour continuer à jouer, insérez un jeton. Pour continuer à jouer, insérez un jeton. Chef, mon intervention s'avère inefficace. Les humains conseillent pourtant de prendre le taureau par les cornes. Malheureusement, ils ne disent pas ce qu'il faut faire ensuite. Oh, oh, ses yeux. Quatre robots en sommeil artificiel, puis réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous ne serez que simples robots. Rescue Bots, à la rescousse. Ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots, à la rescousse. Danny, essaie de me repérer ce taureau mécanique. Il faut le rattraper avant qu'il ne s'en aille trop loin. D'accord, papa, mais juste une question. D'où ce truc peut bien venir? C'est un jeu au stade expérimental qui vient du continent. On est censé s'amuser avec ça? Doté de programmes supplémentaires pour rendre le domptage du taureau plus difficile et notre travail plus dangereux. Un prototype qui fonctionne mal ici? Ça alors, qui eût cru? Si on en croit les statistiques locales, ça arrive environ 9,9 fois sur 10. Ah, j'ai monté des tas de taureaux mécaniques. Il est sûrement pas si terrible. Reste où tu es, cowboy. Je me charge de dompter cette petite bête. Pour continuer à jouer, insérez un jeton. Yeehaw! Je vois le taureau, papa. Il se dirige vers la rue du tilleul. Il entre dans la rue Trapello. Merci, fiston. Nous arrivons. Ce taureau est pourvu d'une intelligence artificielle. Peut-être qu'on pourrait lui parler? Je vais essayer de le raisonner. Halte! Vous vous trouvez dans une zone interdite au bétail, même s'il est mécanique. Ah, je vois que nous aimons tous deux respecter la loi. T'inquiète pas, les musclés sont là. Accroche-toi! Dans la vie, je choisis! Je n'aime pas les grosses brèves! Essaie de le garder immobile! Insérez un jeton. Un jeton. On dirait que t'as mis l'engin en arrêt total. Bien joué, Boulder. Pas de problème. C'était un peu vache de ma part, mais bon. Un peu vache. Elle est bonne. Tu te souviens quand les robots ne comprenaient pas l'humour terrien? C'était le bon vieux temps.
Cody, tu peux dire au doc qu'on a un cadeau pour lui. Je vous retrouve au labo, papa. En garde. Ouh. Mmh. Ah. Ah. Et à la fin de l'envoi, je touche. Salut, Doc. Il reste de la place dans la section des inventions à oublier. Les robots vous apportent... Attends, ne me dis rien. Est-ce que c'est un grille-pain capable de voyager dans l'espace-temps? Un taureau mécanique géant. C'est ce que je comptais dire ensuite. Mais j'ai bien peur qu'il ne soit trop grand et potentiellement trop dangereux pour la section des IAO. Il sera mieux sur l'île des engins délirants. Attendez, cette île-là? Vous voulez dire qu'elle existe? J'ai toujours cru que c'était un conte pour enfants. Oh, zut! On dirait que je viens de révéler un secret bien gardé. Attendez un instant, je vais chercher mon effaceur de mémoire. Ce n'est pas grave, Doc. Tous les membres de notre équipe sont capables de garder un secret. Et puis, qu'est-ce qu'elle a de si secret, cette fameuse île? Cette île sert d'entrepôt à la ville de Griffin Rock pour ses inventions les plus farfelues. Elle se trouve au milieu de l'océan, absolument impossible à découvrir. Alors, comment on envoie les engins là-bas? Pour le savoir, suivez-moi. Attendez, on va faire tout le chemin en le portant à bout de bras? Il y a des escaliers? Tadam! Doc, il n'y a rien ici. Ça, c'est ce que tu crois. Mais un petit saut sur la gauche. Allez, venez! Docteur Green, vous nous semblez brusquement incomplet. D'accord, ça, c'est un peu terrifiant. Il y a tout un bâtiment derrière cette paroi rocheuse. Il est caché par cet hologramme. Il suffit de fermer les yeux et... de suivre ma voix. Mesdames et messieurs, chers robots, j'ai l'honneur de vous présenter la boîte à bazar. Elle a un nom plus scientifique, mais celui-ci est assez sympa, vous ne trouvez pas? La téléportation grâce à cette capsule est le seul moyen d'arriver à l'île des engins délirants. Une téléportation moléculaire sans clonage biodigital? Doc, comment avez-vous fait? Oh, ce n'est pas moi. En fait, je ne sais pas qui l'a faite, ni même si elle fonctionne. Heureusement que mes prédécesseurs m'ont laissé ce gros mode d'emploi. Oh, chouette! Alors on ne risque rien. Ça suffit. Ce taureau est un engin raté. Il suffit de le détruire. Ah, mais un échec dans un certain domaine peut être un succès dans un autre. Par exemple, personne n'aurait cru que la moisissure sur une orange était utile, jusqu'à ce qu'un scientifique découvre que c'était un médicament. C'est aussi une bonne façon de savoir qu'il est temps de nettoyer le frigo. Autre exemple, cette machine est catastrophique pour se couper les poils du nez. Mais quand il s'agit des plantes, elle est parfaite. Voilà pourquoi nous mettons une étiquette sur les engins que nous envoyons sur l'île. Si on se rend compte plus tard que s'en débarrasser était une erreur, on pourra le ramener ici. Encore moins de chance que de voir l'équipe de football changer d'avis pour Cody. Oh, on ne t'a pas pris dans l'équipe. Pourquoi tu ne m'as rien dit, fiston? Parce qu'il est mort de honte, tiens. Allez, quoi, soyez un peu compréhensif. Aïe! Oh, tu pourrais arrêter de faire ça. Cody, il n'y a pas de raison d'avoir honte. Le football n'est pas le seul sport sur Terre. Peut-être, mais c'est le seul qui compte. C'est normal que ces optiques se mettent à briller. Hmm. On dirait que l'un des systèmes internes du taureau redémarre. Je m'en occupe. Je commence à croire que cette bestiole ne m'aime pas beaucoup. C'est pas toi, c'est ta couleur. Les taureaux détestent le rouge. Mais ce n'est qu'une légende. On ferait mieux de le dire au taureau. Ou à celui qui l'a programmé. Je comprends pourquoi on ne les veut pas dans les magasins de porcelaine. Vite! Mettez le taureau dans la capsule avant qu'il n'abîme les machines. Débranchez votre voile. Cody! Pour continuer à jouer, insérez un jeton. Oh mince, mon blouson! Oh mince, ma radio! Reviens! Oh!
mettre des déchets bêta en ligne. Waouh ! Une première version du maître des déchets. Pourquoi on a envoyé un compacteur ici ? Déchets marqués pour destruction. Parce qu'il ne sait pas faire la différence entre un déchet et moi. Déchets marqués pour destruction. Doc, inversez le processus, ramenez Cody. Mais c'est impossible. Cody n'a pas d'étiquette de rappel. Seul le taureau en a une. Alors ramenez-nous le taureau. Ça ne changera rien, sauf si Cody est en contact avec lui. J'espère pour Cody que ce n'est pas le cas. Ce taureau est dangereux. Le mieux à faire, c'est d'envoyer quelqu'un avec une étiquette pour trouver Cody. Ce quelqu'un, ce sera moi. Je ne sais pas, Heatwave. À la télé, le héros habillé en rouge ne revient jamais vivant de ses missions. Il est vrai que le taureau ne raffole pas de ta couleur écarlate. Je n'y vais pas pour apprivoiser le taureau, mais pour sauver Cody. Ouais, on s'en occupe. Heatwave, transformation. Je ne crois pas, non. Cody sera bien plus heureux de me voir, moi, que toi. Quoi ? À cause de l'équipe de foot ? C'était une blague. Assez discuté, nous perdons du temps. Heatwave, si tu es prêt... Je te rappellerai avec Cody dans exactement une minute, à partir de maintenant. Tu vas nous manquer. Reste où tu es, engin raté. Cody ! Cody, tu m'entends ? Cody, où es-tu ? Cody ! Cody ! Doc, vous étiez censé nous ramener un robot. C'est le maître des déchets. Un prototype qu'on a placé sur l'île parce qu'il était dangereux. Déchets marqués pour destruction. Pour les humains. Voyons ce qu'ils pensent de moi. Déchets marqués pour destruction. Au nom de la loi, cessez immédiatement toute activité de destruction. Déchets marqués pour destruction. Ça, c'est une insulte à un agent. Ça suffit, espèce de poubelle mal fichue. Attaque-toi à quelqu'un de ta taille. En gardant à l'esprit que je suis plus petit que toi. Déchets marqués pour destruction. Lâche ! Tout de suite ! Oh, c'était ma seule cravate. Ça suffit, sortez tous ! Mais papa, et pour Cody ? On ne pourra plus l'aider si on est transformé en déchets. Il faut qu'on réfléchisse. Voilà, j'ai enfermé ce truc idiot à l'intérieur. Il ne nous poursuivra plus maintenant. Peut-être pas, mais cet engin menaçant est enfermé en compagnie d'un appareil extrêmement sensible. Et nous ne pouvons plus ramener Heatwave et Cody. Pas de souci. Moi, j'ai un plan. Pourquoi je ne suis pas rassurée? Ça y est, je crois que je l'ai semé cette fois. Oh! Burk. Franchement, il pourrait au moins éteindre ces trucs avant de les envoyer sur leur île secrète. Je veux dire, enlever les piles ou un truc de ce genre, ce n'est pas compliqué. Cody, où es-tu? Le doc va nous ramener d'une seconde à l'autre. Oh non, mon étiquette. Que je détestais le sport chez les humains. Ah, bien fait pour vous. Encore faim. Ou soif, peut-être. Ah. Je crois que je n'aurai pas assez de... Alors, qu'en dites-vous? Je n'aime pas ça. Le maître des déchets est plus fort qu'Heatwave. Et toi, tu veux retourner là-bas? Je suis le seul que cette chose n'a pas marqué pour destruction. Je peux passer sans qu'ils s'en aperçoivent. On pourrait créer une interférence. Pour être sûr que Kate puisse atteindre la boîte à bazar. Une meilleure idée, Doc? Oui, mais il me faudrait des semaines et une fusion nucléaire.
Les robots, c'est parti! Déchets marqués pour destruction. Vous voyez, c'est avec cette partie-là du plan que je me sens un peu mal à l'aise. Il faut juste éloigner notre ami de la boîte. Marqué pour destruction. Écoute, mise à jour vocale, je ne suis pas un arbre. Oh, ça valait la peine d'essayer. Génial, tout le monde est réuni. Waouh! Il m'a bien aidé, ce taureau. Oh! Oh oh! On dirait que tu es programmé pour aimer le bleu et détester le rouge. Trop cool! Rappelez-moi dans 10 minutes. Cody? Heatwave? Sécurité! 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 Oh. Hey! Arrêtez! Mais laissez-moi tranquille! Sécurité! 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 Cody, Heatwave, répondez. Cade, c'est bien toi? Heatwave est là aussi? Je suis là. Génial. Et c'est où, là? Sécurité! Je tourne le dos à une falaise avec beaucoup d'arbres. Je suis dans une espèce de ravin. Ça ne m'aide pas beaucoup. Le docteur Green aurait dû me donner une carte. Attends! Heatwave, je te vois! Cody, ne reste pas là. Mes réservoirs sont presque vides et ces choses sont dangereuses. Au nom de Lost Park! Tu vas me remercier! Désolé pour ta nouvelle peinture, mais le taureau adore le bleu. Et il déteste le rouge. Bon, c'est tout de même mieux que de se faire embrocher. Et ça me va bien, non? Un peu d'aide? Sécurité! 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 Waouh! Chase les adorerait. Ne t'inquiète pas, Cade! Le taureau va te sauver! Tu veux parler du taureau qui nous a mis dans cette situation? On dirait que les petits droïdes jaunes ne l'intéressent pas. On pourrait peut-être les repeindre. Oups! C'est sûrement pour ça que cet engin a fini ici. Heatwave, essaie de créer un court-circuit sur ces droïdes. Impossible, je synthétise encore de l'eau en ce moment. Je peux peut-être aider. Excellent! Beau lancer, Cody. Et 2, 3, bravo, tu les as eus. Frérot, le football, c'est pas ton truc, ça c'est sûr. Mais je crois que j'ai une meilleure idée. Mais et l'honneur de la famille, alors? Oh, il s'exprimera autrement. Au moins comme ça, je suis sûr que tu ne battras pas mes records de footballeur. Désolé d'interrompre la discussion, mais il reste la question de notre retour à Griffin Rock. Aucun problème. Ça fera bientôt 10 minutes. Il suffit qu'on se touche tous les trois et Chase nous ramènera d'une seconde à l'autre. Bien sûr, on a toujours un maître des déchets givrés qui nous attend. Quoi? C'est lui qui a mon étiquette. Et si on ramenait du renfort? Il y a bien 10 minutes de passé, non? Blaze, appelle le chef! Je suis là, coéquipier! Ça devenait plutôt bruyant ici. On s'est dit que vous aviez besoin d'aide. Si les rescue bots vont toujours par 4, c'est qu'il y a une raison. Hé, hey, la valeur de déchets, t'as envie d'un petit 4 heures?
Sed, où est Cody? Et Heatwave. Mais pourquoi nous as-tu ramené le taureau? Gardez la boîte à bazar ouverte. Cade, on fait de la peinture? Écartez-vous du maître des déchets! Ah ouais! Ouais! Le maître des déchets est aplati! Bravo, l'équipe! En effet, il ne nous reste plus qu'à renvoyer le taureau et le canon à peinture d'où ils viennent. Il le faut vraiment? Allez, Cody, tu ne voudrais quand même pas qu'on les garde ici. Mais ils nous ont sauvés. Peu importe s'ils n'arrivent pas à faire ce pour quoi on les a fabriqués. Oui, c'est comme Cody et le football. Du calme. Tout ce que je veux dire, c'est qu'on peut être désastreux dans un sport et très bon dans un autre. Vous vous souvenez de moi en gymnastique? Hé hey, je déteste les maillots collants, compris? C'est la même chose pour ces engins. Maintenant qu'on sait ce qu'ils savent faire, ils méritent une deuxième chance. Entendu. On va la leur donner. Merci, Cade. Eh, hey, tu peux me remercier en prenant ton gant et en me retrouvant sur le terrain pour t'entraîner. Il faut te préparer pour les sélections de baseball. Ça marche ?